Salut tout le monde, c'est Koinski. On se retrouve avec Godric et sa petite armée que j'avais constituée, je pense, pour défendre le château de Garontor, si je me souviens bien. On n'est pas très nombreux, on va repartir vers le nord-ouest et je vais vendre le matériel que j'ai obtenu. Le château de Garontor n'est gouverné par personne pour le moment. Je fais quand même remonter la loyauté en faisant le projet qui va bien, c'est-à-dire je sais plus ce que c'est les jeux, je pense fêtes et jeux, festivals, ce genre de choses. On viendra voir plus tard si la loyauté a bien remonté et on pourra peut-être même mettre un gouverneur. Il faut qu'il soit de culture de l'Empire, si je veux que la loyauté remonte encore plus facilement. Je pense qu'on peut quand même s'en tirer sans, mais éventuellement c'est mieux. Donc on verra dans les compagnons qu'on peut recruter dans les tavernes, si je peux trouver quelqu'un de l'Empire qui pourrait convenir éventuellement. En attendant, on va recruter un petit peu parce qu'on a eu quelques pertes récemment. Ça va encore, rien de grave. Alors ce que j'aimerais bien faire également dans cet épisode, peut-être ce serait... Oh, le château de Garcego, ça a été pris. Qui va l'avoir? Peu importe. Ce que j'aimerais bien faire dans cet épisode également, c'est... Déjà, on va terminer la petite campagne avec les troupes qu'on a. Mais j'aimerais bien faire une ou deux quêtes éventuellement pour changer un petit peu. Ce serait cool de le faire. Mais pour le moment, on va aller à Sargotte. Après, on ira peut-être suivre l'armée de Vartin éventuellement. Une belle armée de 828 hommes, ça peut être pas mal. Si je mets la mienne derrière, on peut peut-être faire quelque chose de bien ensemble. Et pourquoi pas un tournoi pour se mettre en jambes? J'aime bien en début de vidéo faire un petit tournoi. Alors d'abord, on va faire les ventes. Alors on va peut-être bloquer... Bon, en fait, les chevaux, généralement, je veux en vendre aucun, en fait. Hein. C'est toujours utile de les avoir dans le groupe. Je récupère 10 000. Est-ce que c'est bien normal que je récupère autant? Me méfie maintenant après la bêtise que j'ai faite la dernière fois. Ça m'a l'air ok. Rançonné, il n'y a personne. La reine, tournoi. Alors on a trois nobles. On gagnera Lumière de l'Aube, ce qui est peut-être une arme assez cool. C'est une épée à une main de rang 4. C'est pas mal du tout. Si c'est pas pour moi, ça peut être pour un allié. Allez, chacun pour soi. Épée et bouclier. Tiens! Au sol! Hop! Et voilà, tranquillement pour la première phase. Du menu fretin pour Godric, ça. C'est rien, ça. Ça ne vaut rien. En équipe, je suis avec Olawin la trompée. Très bien. Elle va par là, on va la suivre. Si je me rappelle bien, on peut pas donner d'ordre. Hein. On peut pas donner d'ordre. Elle va se faire dégommer toute seule, là. Oh mon dieu, on est des brutes. Bon, là, c'est bon, on est qualifié. Hein. Olawin, tu t'es bien sacrifié, mais faut pas foncer comme ça toute seule. Oh, et oh. Alors ensuite, je suis encore avec elle. C'est cool d'être avec un compagnon, je trouve, même s'il fait n'importe quoi. Elle est quand même assez balèze. Ah oui. C'est bon. Et je me retrouve avec elle. Allez, ça j'aime encore bien. Cheval lance. Je me débrouille pas trop mal. Et oh, doucement quand même, hein. On est ensemble. Elle a dit qu'elle allait quand même manger mon foie. Hein. Bon, elle est dans l'excitation du moment, on va dire. Hein. On va pas lui en vouloir. D'ailleurs, elle est un peu... Alors, on va attendre qu'elle remonte. Ah, on s'amuse, hein, Olawin. Une bonne tranche dérégulade. Elle met sa main sous sa bouche pour éviter de pouffer, de rire. Bon. On va aller voir précisément ce que ça vaut. Je vais partir... Alors, donc épée à une main quand même. Donc moi, je dois comparer par rapport à ambassadrice. L'équipée.
Lumière de l'aube. Alors le niveau c'est 4, vitesse plus supérieure, un peu moins de dégâts quand même. Plus de dégâts deathstock. C'est pas les coups que j'ai le plus facile à mettre avec les épées, c'est quand même nul la taille. La longueur est largement inférieure. Non, elle est moins bien. Elle est moins bien. Ce n'est pas grave, mais elle est moins bien. Par contre, peut-être pour Urios. Non. Nogan, voilà. Pour Nogan, une autre épée, ça peut être bien. Ouais, celle-là est de rang 5. Elle est sûrement encore mieux. Clairement. Bien équipé, hein, mes gars. Alors pour lui, voilà. Il est prêt au corps à corps, il va dégainer. Donc c'est bien. On va vendre. Parfait. On va aller vers l'est, voir ce que traficote l'armée de mon ami. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, non, on négocie rien du tout. On n'a pas besoin d'argent. Je suis à combien? 146 000. On a la guetta, ok. Il est là, Vartin. Et l'autre est là, Varmund. Je sais pas combien ils sont. Je pense qu'on peut aller voir ici. Varmund, il y a quand même moins de 500, ça va pas faire grand chose. Ah, lui, va Jalmaris pour assiéger. Bon, on peut essayer de se rencontrer là-bas. J'ai pas l'impression que Jalmaris, c'est une grosse... Enfin, c'est une ville plutôt éloignée, oui. Je vais peut-être essayer de voir si je peux pas recruter encore un peu. Cela coûte pas cher. J'ai que 40. Hein. Voilà. On essaie de vraiment utiliser au maximum sa campagne. Hein. Sa cohésion, son influence. Alors, le voilà. Il y a des roquets au basque. On va essayer de les choper du coup parce que il n'y a pas de problème pour les battre. Alors il revient, je sais pas pourquoi. Il va défendre mon château, mais très bien. Alors regarde Vartin, regarde Ortizia, elle est toute seule ici. Peut-être faire quelque chose. Une armée tranquille, un peu moins de 600 et nous on est 1000, donc il n'y a pas de problème. Même plus. On va essayer de manœuvrer pour l'entourer et l'empêcher de s'échapper. On a trois armées qui l'entourent. Autant dire que Agnala, c'est fini. On va aider le beau-père. Oh là oui, donc là je peux choisir pour mon armée Malbert, Nogan. Je pense que c'était pas mal comme ça, on va rester ainsi. Je me mettrais bien en infanterie pour une fois, mais ça va être dur de gérer parce qu'il y a beaucoup de monde, donc je préfère qu'il y ait quand même beaucoup de monde comme ça, rester bien mobile sur mon cheval. Mais une fois on fera un combat où je suis en infanterie. Parce que pourquoi pas. À moi tout ça, oui. Alors on le sait, ils vont avoir tendance à attaquer, donc faut vraiment pas que je traîne. Je demande à tout le monde de me suivre. Histoire qu'on avance. L'ennemi est là-bas. Et les alliés avancent. On est un bon nombre de soldats vlandais. De solides gaillards, une belle armée. On avance de manière bien coordonnée, là je me suis pas fait avoir, j'ai tout de suite avancé. On va suivre la cavalerie alliée là-bas à gauche. Ils sont méga, ils sont restés là-bas derrière évidemment. Évidemment. De toute façon on va gagner la bataille donc bon. C'est pas plus mal si j'ai pas trop de pertes personnellement, mais c'est encore mieux évidemment si dans l'ensemble on n'a pas de pertes. Pas trop de pertes. Que je peux toucher quelqu'un de si loin. Ça me paraît pas possible. Je crois pas que j'ai la portée pour. On va les attaquer par la gauche puisque le reste de l'armée est plutôt parti vers la droite.
Soldiers, move! Forward! L'infanterie alliée arrive quasiment au contact, ils sont à une vingtaine de mètres. Je vois pas bien où mes flèches tombent, hein. C'est dur de, dans ce cas-là, de bien viser. Footman! Voilà, ça c'est mon infanterie. On va déjà demander de charger. Reste la cavalerie alliée charge, on va les suivre, allez les gars, chargez! Chargez-moi cette bande de gueux! C'est bien. Ça va être la débandade sous peu là. Le point sonne. Problème d'ajustement là. C'est bon. Et il reste quand même encore pas mal d'ennemis, hein. Ah d'accord, je me fais taper dans le dos sans le sentir. Tellement je suis fort. Il y a eu des renforts ennemis, je pense, là, tout simplement. Pourriture de l'Empire. Hey. Et durant le pisteur après un petit niveau. Puis où sont mes hommes là? Oh merde! Oh zut! J'avais couché la lance, t'es sûr de l'avoir là! J'espère que je me suis pas fait trop mal. Bon, c'est la fin de la bataille a priori. Hein. Ça a été plus violent que j'aurais cru. Je pensais qu'on allait les exterminer beaucoup plus vite, mais bon, ils étaient quand même un sacré nombre hein, finalement. Malgré tout. On va dire que ça s'est bien passé. Vous êtes ma prisonnière. Dommage, c'est toujours abîmé après les combats. Hein. Je sais pas s'il y a une compétence qui permet de récupérer les objets un peu moins abîmés, mais ce serait agréable. Ce serait agréable. Capacité dépassée, ça cause des blessés, ça va aller mieux après. Bon, on va voir ce que l'armée fait, mais... J'aurais tendance à vouloir aller vendre mon matos, moi. Qu'est-ce qu'ils font? Assiège le château de Ertogea. C'est où? Si c'est trop loin, j'y vais pas. Hein. On peut passer à la guetta, vendre le matos avant. Ce sera parfait. Attendez, il y a une bagarre ici, on peut aller aider. Engage des pillards, on peut aller aider les pillards ou pas? Allez, on va se faire une petite bagarre directement après.
Alors tout doucement, je vais essayer, parce que j'ai bien lu vos commentaires. Si j'estime qu'il y a lieu de le faire, on fera plus de groupes. Il faut bien comprendre que quand vous faites plus de groupes, c'est plus dur à gérer. Quand on doit se battre en même temps, ça peut être compliqué. Et là, la cavalerie, ça pourrait justifier, ça dépend également du nombre d'ennemis. Hein. Mais par exemple, pour cette bataille-ci, je le ferai pas, quoi. Ça me paraît pas nécessaire. Je vais me mettre dans l'infanterie. Et on va mettre... Arc 1, 1... On va mettre Dagunic parce que les autres sont blessés. Je vais aller à pied même. Un peu blessé mais c'est... Ah non, je suis avec ma lance, zut. J'ai oublié de changer mon matos. Troops move, soldiers forward. Yeah. Bon, on va aller avec la cavalerie alors, ce n'est pas grave. Troops move, so move. Dans les batailles où il n'y aura pas de renfort comme dans ce cas-ci, c'est pas grave d'aller près du point d'apparition des ennemis. C'est dans les grosses batailles où il faut vraiment faire gaffe parce que si on est trop près du point d'apparition des ennemis, je trouve que avec le système de renfort, ça peut être quand même assez dangereux. Troops, soldiers, form a line. Non. Ray, take over command. Suite, s'il vous plaît. Troops, hear me. On désactive les commandes. Soldiers, suivez-moi, c'est ça que je voulais faire. Soldiers, move. Troops. Forward! Troops! Un drôle de groupe 4 là, je vais demander de me suivre. Cavalry after me! Cavalerie, on va les flanquer. Soldier forward! Move! On peut dégager leur cavalerie déjà, si on veut, si on y arrive. Tout le monde va charger. Ça devrait être bon. La cavalerie va tuer la cavalerie ennemie et une partie va sans doute aller charger. Tiens. L'ennemi dans le dos. Je crois qu'on les a complètement exterminés, mais avec une vitesse hallucinante. Oh là là. Compétences dans mes soldats là. Dans le chef de la troupe. Chaque coup porte ou presque. C'est pas mal. Tranquille. Ce qui me fait penser que l'influence, ça va être toujours le coup de faire un petit combat. Que je dois absolument... améliorer mes troupes. Est-ce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait? On a encore des chevaux de guerre, c'est bon. Alors chez les impériaux, on va prendre l'infanterie. Non, j'ai plus de chevaux de guerre, faudra en racheter. Allez, parfait, on va finir cette campagne. Après, vraiment, j'aimerais bien faire une petite quête. Voilà, le petit arrêt à la guetta, on va mettre... les oubliettes... Pas donner plus de prisonniers malheureusement. On va rançonner. Personne à la taverne. Et on vend ici pour 9006. Pas mal. On a encore de la nourriture. Alors il y a un tournoi. Je vais aller voir le nom du truc qu'on obtient.
Jugement, bah, je crois que c'est une masse, on va pas le faire. Alors, Alt-Shift pour suivre un groupe sans attaquer. Vous voyez que je lis tous vos commentaires, hein, comme d'hab. Et je tiens à vous remercier parce que j'ai appris encore pas mal de choses. Soit que j'avais oublié du premier let's play, soit que je savais pas, donc c'est vraiment cool. Voilà. Est-ce que je peux rejoindre? Non. Parce que je peux pas rejoindre l'armée, quoi. Elgir, qu'est-ce qu'il veut par exemple, lui? Des montures, ouais, souvent c'est des montures. 13 chevaux de sel, c'est pas tellement gay comme truc. Non, je peux envoyer un homme pour le faire, hein. Je pourrais envoyer quelqu'un de moi pour le faire, hein. Je devrais pas m'en occuper. Je vais pas le faire maintenant parce que j'aimerais bien d'abord qu'on fasse l'attaque. Sans perdre d'hommes. Qu'ils font? Défend Gersegos maintenant? C'est toujours un petit peu le problème quand ils ont pas trop de suite dans les idées. Après, je comprends qu'ils doivent défendre leur bien. Ouais, mais ils sont partis par là. En route vers la Guetta maintenant. Bah, je vais peut-être le prendre moi-même le château. Faut que je vois un petit peu ce qu'il y a comme défenseur, mais. Ils sont 305, honnêtement, on peut tenter. Hein. J'ai des très bonnes troupes, moi, quand même. Hein. C'est pas des perdreaux de la veille, hein. C'est du solide. Rien ne m'empêche de mettre le siège et de voir un petit peu. Ils ont 8 jours de nourriture. Maintenant, ils vont venir défendre, évidemment. Est-ce que je peux... J'ai 37. Non, ça va pas le faire, ils vont m'attaquer. Wow. Franchement, ça devrait aller. Hunter, il va m'aider. Hop. Il vient. Je m'en suis tiré tout juste là. J'aurais pas dû faire le malin à mettre un siège. L'armée de Viria à 536 plus les autres... Oh là là, non, c'est pas possible, faut dégager. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu. Oh, je vais peut-être envoyer les troupes, là, ils sont vraiment trop nombreux. Tant pis si j'ai quelques morts, j'ai un mort. Je pense que je vais arrêter peut-être ma campagne ici. Je sais pas, je vais regarder un petit peu l'influence. J'ai encore pour quelques jours quand même. Hein. Ce serait un peu dommage. Vartin est là et lui là-bas. Ils sont vraiment loin. Ils vont rien faire, j'ai l'impression de bien. Ils ont encore quelques petites escarmouches comme ça. C'est pas perdu du tout. Ok, j'ai 8 chevaux de sel, hein. Je pourrais en prendre un peu d'avance pour les quêtes qu'ils me donnent régulièrement. Non, il n'y en a pas toujours. Je vais prendre 2 chevaux de guerre. Malheureusement, c'est des très chers, mais j'ai beaucoup d'argent, ça vaut la peine. Il y aurait une quête à faire ici, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire là? C'est quoi? Un chef de bande a besoin d'armes, je veux pas faire. Au donjon, on a Huntery. Fils prodigue du Day à Romanc. Allez, pourquoi pas? Ça me dit rien, donc ça peut être cool. Godric, ça faisait longtemps. En plus, j'ai pas des relations super avec lui. On m'a dit que vous aviez besoin d'aide, Seigneur Huntery. J'ai un problème. Mon jeune parent Tomund est parti en ville pour s'amuser, boire, courir les jupons et faire quelques parties de dés.
De nombreux jeunes hommes font de même, mais il semblerait qu'il se soit montré imprudent. Il nous a envoyé une missive affirmant qu'il doit une grosse somme d'argent à Druzabalda, l'enclume, l'un des chefs d'une bande locale de... Malheureusement, j'ai oublié où, je ne pourrais pas vous le dire, Godric. Ces malandrins le retiennent dans sa maison en tant que modeste invité jusqu'à ce que quelqu'un paye sa dette. Je ne compte pas payer la dette. Je ne vais pas récompenser ce genre de comportement sans foi ni loi, et en plus j'ai des oursins dans les poches, alors même que les plus grandes familles ne sont pas en sécurité. J'en ai touché un mot au seigneur de Sargotte, mais je ne m'attends pas à recevoir de réponse avec les guerres en cours. J'ai besoin que quelqu'un se rende là-bas pour secourir le jeune homme. Vous pourriez payer, mais je préférerais que vous donniez une bonne leçon à ces ordures. Ok. Ok. Alors je peux envoyer un homme. Je peux envoyer 22 hommes avec quelqu'un qui sait gérer les malfrats. Il faut quelqu'un qui est peut-être doué alors en fourberie. Ouais, mais j'ai envie d'y aller moi-même. Vous trouverez la maison en vous rendant sur la place principale de Sargotte. Ou alors vous pouvez parler au chef de bande, Druzabal dans l'enclume, et lui inculquer un peu de bon sens. Bah, je sais pas trop, de toute façon on va la faire, c'est clair. J'avais vraiment envie de faire des quêtes, c'est pas tout le temps faire que des batailles, donc on va y aller. Pourquoi est-ce que j'ai un point d'exclamation dans mon groupe? Ça c'est bizarre. Je dois libérer le membre de la famille, donc on va aller directement dans la maison, je pense. Pas oublié de changer mon équipement. Alors je sais pas trop où je peux acheter de plus beaux vêtements. Je regarderai un petit peu mieux au niveau des armures, peut-être que ça m'a échappé parce que je regarde souvent les meilleurs au niveau financier et au niveau armure, évidemment, mais... J'essaierai quand même de m'équiper un peu plus en conséquence, mais en ville, dans les combats, je pense que je risque d'avoir ça, quoi. C'est le problème. On sait trop rien en fait. Dans le doute, on va prendre ambassadrice là. Épée à deux mains. Allons voir, hein. On va aller jusqu'à Sargotte et on verra bien. Varric a atteint l'âge de 16 ans. Allons-y, qu'est-ce qu'on lui a donné pour l'instant? De la reconnaissance. C'est à peu près tout. Enfin, on a deux, on a quelques petits trucs comme ça. Je voulais en faire un seigneur, je pense, hein, mais... L'envoi déjà en tant qu'écuyer. Attaque à une main. Alors, on m'a dit que dans les attaques à une main et différents trucs d'armement, compétences d'armement, ça fait quand même de bons gouverneurs. Aide. Apprenti. Archer. Athlétisme. Ou un peu de charme. Je vais mettre quand même peut-être un peu de charme. Non, on va mettre écuyer. Je vais en faire un combattant. Ouf, on peut encore monter l'attaque à une main, c'est pas mal. Faire ça. Il a gagné un tournoi. Cet événement a amélioré sa compétence maniement à une main en plus. Donc, pas mal. Et nous voilà à proximité de Sargotte. Est-ce que je devrais pas relâcher l'armée? Je pense que je ne peux plus faire grand-chose avec eux. On va la dissoudre. Ok. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir peut-être pour le commerce. Est-ce que finalement, je peux acheter un truc sympa de... Oui, il y a des beaux casques ici, hein, mais c'est très très cher. Le mien est encore plus performant. Alors ça se met en bleu, je pense que ça ne correspond pas. Voilà. Par contre, le doublé armement lourd, je peux bien le porter en ville. C'est sans doute pas génial, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce que je peux porter en ville finalement, par ça? Une coiffe lacée. J'ai toujours pas l'air très 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 fin, je trouve. Hein. Oh, robe de noble en soi. Enfin, Godric, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Pas mettre de mitaine matelassée. C'est bizarre qu'il y en a qu'on peut, il y en a qu'on peut pas. Faut que ça fasse urbain, je ne sais pas. Étrange.
En tout cas, me voilà un peu mieux équipé. Je peux mettre des bottes de cavalier également. Voilà. Pourquoi pas. Alors en armes, du coup, je peux également prendre des choses. Est-ce que je peux pas prendre des boucliers? Un petit bouclier, si jamais je dois me battre, c'est quand même mieux. Ça, je pense qu'on peut pas. Donc je vais rester avec mon arme à deux mains. Et voilà. Donc c'est parti. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais comme je peux pas avoir de bouclier, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je risque de louper mon combat, tout simplement, par faute de pas arriver à bloquer dans la bonne direction. On verra. Je pourrais apprendre où il est retenu sur la place publique, d'accord. Je pense y être, c'est le marché. Petit marché nocturne, hein. Alors. Sinon, je vais voir la chef de gang, hein. Pas grand monde qui veut me parler, mais peut-être que je devrais plutôt parler à un citadin qui se balade plutôt qu'un vendeur. Ils sont occupés, les vendeurs. Je vais parler à elle et puis si ça marche pas, on ira voir la chef de gang. C'est pas terrible, hein. On a les quais. On a... Ah, Karsten le malade, mais c'est lui que je... Pourquoi est-ce... Ou alors il doit donner une quête, sans doute, lui. C'est rien à voir. Ah, zut. Relisons la quête. Il est détenu par Drusa Baldal Enclume, le chef d'une bande locale. J'ai quand même bien l'impression que c'est peut-être pas la place publique ici, je sais pas. Je vais chercher un petit peu. J'ai trouvé complètement par hasard une maison qui s'appelle Maison de Drusa Baldal en Clune. Peut-être qu'il est retenu là. Je cherche quelqu'un. Ah bon, personne en fait. Je me suis trompé. Oh, je peux rentrer dedans. Oh! Tayo! Ah, excusez-moi, monsieur. C'est bien, tu me sers de bouclier. Avance. Avance, Olawin. Oh, ah, c'est lui. J'ai failli couper la tête. Merci, monseigneur. Seigneur Hunteri qui vous envoie. Oui, je suis là pour vous ramener, mon petit. Merci, mais c'est inutile. Une fois que nous serons sortis d'ici, je saurai me débrouiller pour rentrer. Quoi qu'il en soit, j'apprécie votre aide et je parlerai de votre héroïsme à tous ceux de mon clan. Bon voyage, monsieur. Yes, ok, cool. Ça me perturbe qu'on puisse pas prendre épée et bouclier, quoi. C'est vraiment... Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas capté. En tout cas, on a réussi la quête sans trop de problèmes. Alors, à propos de... Donc là, je pense qu'il y aura plus... pas d'autres problèmes. Voilà, on a fait la quête. Alors, il y a un truc que je voudrais bien tester. C'est aller... Non, pas là. Juste pour le fun, hein. J'ai vu qu'un seigneur qui était emprisonné dans les geôles, vous allez voir. On a plein de seigneurs impériaux emprisonnés, il y en a un qui peut donner une quête. Donc j'ai envie d'aller le voir. C'est Saratis. Les icônes. Avec les boulets. Oula. Ça rigole pas. C'est lui? C'est lui. Eh bien, qui avons-nous là? Vous voulez bien me donner votre petit nom? Je suis Godric, et qui êtes-vous? Saratis des Sorados. Je vais écrire votre nom, mais ne le prenez pas mal si je fais preuve de retenue. On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Je ne souhaite pas aborder ce sujet, comme vous le savez, mes factions sont en guerre. Ok, d'accord, ok. Je pensais que peut-être qu'il pourrait demander ah, « Tiens, faites-moi libérer, je vous donne de l'or ou quoi. » Ça pourrait être... si on veut jouer un personnage un peu traître, ça peut être cool. Bon, on va partir.
Et je pense que peut-être on va profiter, j'allais dire, d'une accalmie, mais c'est tout le temps la guerre de toute façon, donc je peux pas... J'ai envie de retourner à Varsheg pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la loyauté et peut-être lancer la construction d'un bâtiment ou l'autre. Si la loyauté n'est toujours pas bonne, alors je reprends ma femme dans mon groupe, ce sera peut-être plus facile d'ailleurs pour avoir un enfant, et on essaie de recruter un personnage sturgien pour le mettre là, puisque apparemment les gens n'aiment vraiment pas être dirigés par une autre culture. C'est comme ça, je vais faire un peu de commerce parce que j'ai vu qu'on avait de la laine, je vais la dégager. La tanneur, une tâche d'escorte de caravane, je vais pas la faire. La loyauté est encore qu'à 40, hein. On a moins 3 à cause de la culture, c'est vraiment beaucoup, hein. Moins 3. Je suis sur festival et jeux là, mais... Alors le champ de foire peut augmenter la loyauté. Maintenant qu'on est revenu à 75 en construction, c'est pas mal ça. Je pense que je vais rester dans le coin et qu'on va faire quand même le champ de foire. Et s'il y a une révolte, au moins je serai pas trop loin. Purée, 60 jours, c'est pas possible. Il y a encore 4000 en réserve. C'est beaucoup trop long, 60 jours. Ça fait... Et puis la loyauté redescend du coup. Non, je vais pas le faire. On va essayer de trouver quelqu'un qui ait de la bonne culture parce que sinon vraiment c'est embêtant. Eh bien, pas grave. Pas de problème, on va le faire. On va aller à Rayville parce que je pense que j'ai jamais été en fait. Jeter un petit coup d'œil. Et peut-être qu'on trouvera de juteux pierre des mers. Ah, Garantor est assiégé, mais là je suis trop loin, tant pis si on la perd. J'espère qu'ils vont défendre. Hein. On a Merovic le grisonnant. Il est maniement à une main arbalète. Ok. Il est vlandé. C'est vraiment pas de bol. Tant pis. Escorter, une bande a besoin de recrues. Ça, je fais pas ce genre de choses. Je pourrais prendre quelques soldats surgiens. Bon, j'essaie de pas trop mixer, mais... Non, je vais le faire. Ok, on va aller jusqu'à... Omor. Il n'y avait personne d'intéressant à Omor, malheureusement. Enfin, il y avait Alayen, qui était assez cool, mais encore de culture vlandaise, donc j'ai pas voulu le faire, prendre. Personne. Je pourrais chercher... ce qu'on peut faire en désespoir de cause. Hein. Parce que j'aurais bien quand même réglé le problème, mettre quelqu'un de culture surgienne au nord pour ne pas devoir m'en occuper et lancer des constructions. On peut aller dans héros, culture, sturgie du coup. Trier par âge, relation, métier, voilà, vagabond. Il n'y en a que 4 de toute façon, hein, vous voyez, donc c'est que, heureusement que j'ai regardé ici. Nous avons Biram Barbe Froide, vu à Galen aujourd'hui. Varnovapol, ça c'est à l'est je pense. Seonon, aujourd'hui c'est dans l'Empire. Et Baltakand. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de vraiment proche malheureusement. Au bout d'un moment il bouge. Le plus proche ce sera peut-être Seonon je pense. Seonon, c'est en Batanie ici, c'est pas tellement loin de Varsheg, donc on va jusque là vite fait. On espère qu'il a pas bougé. S'il a bougé, ben on regarde les nouvelles localisations des personnes, on essaie de retrouver les 4 et on finira par en prendre un, mais je pense que vraiment il va falloir faire l'effort de mettre quelqu'un de la culture, parce que moins 3 en culture, en loyauté à cause de la culture, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est ennuyeux, mais c'est pas si grave, je veux dire, ma femme peut servir à un autre but plus tard. Elle peut rester dans le groupe en attendant. On va faire quelques petits brigands en attendant. Oh merde, j'ai demandé qu'ils pouvaient nous rejoindre. Non, non, je veux pas qu'ils nous rejoignent. Ah tant pis, du coup ils ont disparu. J'ai mis ce clic. C'est pas grave, visiter qu'une vingtaine, ça m'aurait pas rapporté grand chose. Caladog le roi passe derrière nous. Je pourrais lui parler, il a une quête. Se faire bien voir des rois, c'est toujours bien. Je crois que c'est plus... Ça a changé, ok. Ok.
Pas de problème. Je vais quand même recruter quelques trucs. Qui ont l'air cool. Et on va regarder les nouvelles localisations. Alors. Galend. Sironea. Varnovapol, lui, il n'a pas changé. Baltacan non plus, tiens. Sironea, ça, ça a changé. Ce qu'il y a, c'est que c'est là-bas, tout à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, mais qu'on va longer l'Empire. Comme ça, si jamais je vois une action militaire qu'on peut faire en passant, on s'occupe en faisant ça. Attendez, il y a Caladoc qui est là, je voudrais juste... Ah, celui-ci va plus vite que moi, tant pis. Je gagne de l'or, hein. Tous les jours, sans rien faire, je gagne de l'or, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que je peux passer du temps maintenant à faire des choses, genre des quêtes et tout ça. Est-ce qu'on n'avait pas dit que je devais retourner voir pour accomplir... Ah non, je devais d'abord atteindre le niveau 4 de clan, c'est ça. On pourra continuer plus tard. La quête principale. Long voyage pour arriver, mais ça y est, on arrive à Sironea. J'espère que la personne n'a pas bougé. Là voilà, ok, cool. Surgit, c'est bon, 34 ans. Bonne à une main, athlétisme, bonne âme, norme d'ast. Maniement à deux mains, c'est très bon aussi. Donc j'espère que ce qu'on m'a dit dans le commentaire est juste, c'est-à-dire qu'elle va quand même faire une bonne gouvernante, gouverneuse plutôt. Pas gouvernante. On va lui parler. Mon nom est Godric, dites-moi un peu plus sur vous. Je vais vous raconter mon histoire, mais je vous préviens, je me moque que vous approuviez ou non ce que j'ai fait. Encore quelqu'un qui a tué père, mère, cousin et tout le village. Mais qui regrette, évidemment. Je viens d'une bonne famille avec beaucoup de terres. Depuis mon enfance, je rêve de devenir Chalmo, je sais pas comment on dit. Je me suis entraîné au combat avec les garçons du village et les vieux guerriers. Mais voilà, dans certaines familles, avoir une fille qui prend les armes est une fierté. Pour d'autres, c'est une grande honte. Mon père faisait partie de la deuxième catégorie. Je n'avais pas spécialement envie de me marier, mais ma famille m'a quand même trouvé un fiancé. J'ai accepté, mais mon mari et moi nous sommes détestés dès le premier jour. Une fois, il m'a insulté sur la place du marché. J'ai maudit sa virilité. Il m'a frappé. J'ai sorti mon couteau et il a sorti le sien. J'ai gagné. Les anciens ont statué sur notre dispute. C'est avéré que ce n'était pas du tout la première fois. Ils ont considéré notre combat comme un duel honorable et j'ai été innocenté des accusations de meurtre. En revanche, j'ai été exclu de son testament. Je suppose que c'est juste, bien que j'aurais beaucoup aimé porter ses bijoux et chevaucher sa monture devant sa famille. Voilà. Ok. Eh bien, je vais l'engager. Ce n'est pas cher, bien sûr. On est venu pour ça. Est-ce qu'on peut acheter... Allez, on va faire beaucoup de routes. Peut-être qu'il y a quelque chose à acheter pas cher. Déjà, je reprends un peu de nourriture variée. Un peu plus variée. Parmi ce qui n'est pas trop cher. Le lin est pas cher, j'ai l'impression. Enfin, ça se vend pas hyper cher non plus. Il n'y a rien de génial. Voilà, retour à Varcheg. Ouf, enfin on arrive en vue des portes de Varcheg. On va sortir de la forêt et rentrer dans la ville. Peut-être au petit matin. Alors d'abord, je voudrais juste aller voir les compétences de Marena. En fait, quand on va la mettre en gouverneur, on verra ce qu'elle donne exactement en termes de bonus de gouverneur. De toute façon, je vais le faire hein, parce que ça aura de toute façon beaucoup d'avantages. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle donne ? Frappe rapide, les colonies gouvernées voient leur recrutement de milices augmenter de 0,5. Ok. La garnison de la colonie gouvernée gagne 10% d'XP supplémentaire au combat. Les gages sont réduits de 10% dans la ville qu'on gouvernait et elle augmente le recrutement de la milice dans les colonies gouvernées de encore 0,5. Donc, ok. Ah, la loyauté était vraiment basse, encore une fois. Hein. En fait, je l'avais pas annulée. Maintenant, elle va remonter, mais... Est-ce qu'elle ne va... Je vais devoir rester dans le coin. Je vais rester un petit peu juste pour voir un petit peu ce qu'on peut... Ce qui va se passer, en fait. Belle ville, mais on va pas y aller. Ah non, mais c'est encore plus vicieux que ça. En fait, c'est la culture du propriétaire. J'avais pas bien vu qui fait moins 3. Donc ça, ça peut pas changer.
Donc encore heureux que j'ai remis quelqu'un de la culture, de la bonne culture comme gouverneur, mais ça ne me donne que plus 1. C'est hard quand même, hein. Franchement, il va vraiment falloir faire les champs de trucs là. Même comme ça, je suis pas sûr que ça va le faire. Donc, admettons que je remette champ de fave, c'est ça qu'il faut faire pour booster. Sort. J'attends. On est quand même à plus 0,7. Donc ça remonte. Je vais attendre un petit peu de vérifier qu'il n'y a pas de révolte. Mais je crois que ça devrait aller. Voilà, donc on va faire le champ de foire, je pense même peut-être deux fois. Ah, je peux pas, ok. Donc on va faire le champ de foire. Sauf que je peux pas parce que la loyauté est trop basse et que du coup la construction est à 0. Super. Ok. On est reparti pour un tour. Hein. Ça va être mieux qu'avant. Franchement, c'est un peu pénible. Ça va être un peu mieux qu'avant. Mais on va devoir... Je vais la laisser un peu tranquille. On va revenir plus tard. Relancer les projets. Mais au moins, normalement, il n'y aura pas de révolte. Et la loyauté va remonter au max tout doucement. Mais là, j'ai construction 0. Ça sert à rien que je reste, en fait. On va partir. Donc, prochaine vidéo. Eh bien, on voit un petit peu ce qu'on fait avec nos... Je pense avec nos... Notre clan. Parce que ce que je me dis, c'est que le niveau de renom monte quand même lentement. Je me dis, si je faisais un ou deux groupes en plus, peut-être que ce groupe pourrait accumuler du renom en notre nom. Genre le frère, je le mettrais bien une armée quand même, maintenant qu'au niveau financier on est bon. Il pourrait aller diriger une armée. Peut-être même je lui mettrais un compagnon, je ne sais pas si on peut le faire. Mais voilà, ce serait cool je pense. Vous me direz ce que vous en pensez, on se retrouve bientôt donc pour la suite. Salut à tous!